Alléluia. Frère, l'esprit humain, moi je dis, je ne vous aime pas. Des fois, je ne vous aime pas. Dis, je ne vous aime pas. Alléluia. Tu as compris comment ils attaquent les sorciers, comment ils attaquent? Donc, quand tu pries contre les sorciers, c'est aux esprits humains qu'il faut commander. Dis, esprit humain de sorcellerie. T'es un sorcier, d'une sorcière qui habite dans mon corps, dans le corps de quelqu'un dans ma maison. Allez, prends tes bagages et pars là où tu as quitté. Tu entends? Dis, esprit humain de sorcellerie. Esprit humain de sorcellerie. Esprit d'une sorcière. Esprit humain d'un sorcier. De ma famille paternelle et maternelle. De mon village. De mon quartier. Si tu habites dans mon corps, à l'instant sort, dis à l'instant sort. Dis à l'instant sort. Dis sort. Alléluia. Maintenant, nous allons voir comment on peut reconnaître qu'on est attaqué ou bien qu'on est habité par les esprits humains. Comment tu peux savoir qu'il y a un esprit humain dans ton corps? Ou bien dans la maison, quelqu'un est habité par un esprit humain. Ou bien que tu es attaqué par les esprits humains. Tu veux le savoir? Premier signe. Premier signe, c'est les viandes qu'on mange en rêve. La plupart des viandes, on mange viande physiquement. Est-ce que tu peux être même puissant? Tu fais des rêves, tu manges de la viande. Ça ne veut pas dire forcément que tu es sorcier. Mais l'esprit humain qui est en toi, quand il mange sa viande de la sorcellerie, c'est par au travers de ta bouche, il mange. Pour faire quoi? Quand on mange du riz, ça va dans les entrailles, n'est-ce pas? Ça se transforme en sang et puis c'est maintenant se communiquer à ton corps, n'est-ce pas? Maintenant, spirituellement, tu manges de la nourriture spirituelle, de la sauterie, ça va dans ton ventre, ça se transforme maintenant en du sang maudit. Et les maladies maintenant sont communiquées à toute ta vie. Alléluia! Donc, quand tu manges de la viande en rêve, c'est l'esprit humain qui fait ça. Quand tu manges par exemple la graine, les sortes de graines en rêve, c'est l'esprit humain qui fait ça. Ça veut dire toi, tu es habité par un esprit humain, ou bien quelqu'un proche de toi, il est habité par un esprit humain. Vous suivez? Deuxième signe. Souvent, tu fais des rêves et puis on te poursuit. Soit c'est des hommes que tu connais, des gens que tu ne connais pas, ils te poussent avec des fusils, avec des couteaux, avec des gourdins. Ça veut dire que l'esprit humain, il est en toi. La nuit, c'est lui qui t'attaque. Ou bien quelqu'un dans la maison, il est occupé par un esprit humain. Lève-toi la nuit, tu dis à l'état esprit humain, de la sauterie. Sors de ma vie, sors de ma maison et reviens où tu as quitté au nom de Jésus. À l'instant même, je commence, j'ordonne. Viens de la sauterie que j'ai mangé en rêve cette nuit. Je bois le sang de Jésus. Et maintenant, sors de moi. Tu vas commencer à vomir. Est-ce que tu me suis ce matin? Il y a des gens parmi vous, tu vois, qui mangent de la viande en rêve. Ils font ça pour vous envoûter. Soit pour te communiquer des maladies, le célibat, les souffrances, les blocages. C'est pourquoi ils font ça. Mais ce matin, ramène-leur leur viande. Il faut leur ramener ça. Ramène-leur la viande, maman, je vais leur ramener la viande. Ramène-leur la viande au nom de Jésus. Regardez souvent, regardez ici. Souvent aussi, regardez, tu dors et puis tu te sens étouffé. Tu es paralysé, tu ne peux pas bouger. C'est un être humain qui est venu s'asseoir sur toi dans le but de t'étouffer, de te faire du mal. Et si tu m'impressionnes, soit il est dans ton corps, il sort la nuit pour t'attaquer, soit dans le corps de quelqu'un dans la maison. La plupart, alléluia, c'est eux qui créent les morts dans le sommeil. Mais toi, tu ne mourras pas dans le sommeil. Dieu est puissant, amen, puissant, amen. Tu ne mourras pas dans le sommeil au nom de Jésus. Dis à toi, toi qui m'attaques dans mon sommeil pour m'étouffer, je te maudis. Sors de moi. Descends. Alléluia. Souvent aussi, tu es là, tu entends des voix qui t'appellent. Regarde ici. Tu entends des voix qui t'appellent. Soit la voix
vient de toi-même, de ton cœur, tu entends la voix, ou bien hors de ton corps. Si tu t'appelles Kwadjoe, tu entends Kwadjoe. Tu réponds, il prend ton âme. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut discerner la voix qui t'appelle. Souvent, mon Dieu aussi peut t'appeler. Donc, tu entends une voix. D'ailleurs, la voix du Seigneur, on la ressent immédiatement. C'est comme quand il te parle, c'est comme dans un gros micro. Les haut-parleurs là, comme ça, ça voit le Seigneur quand il te parle. La voix des démons, c'est une petite voix. Donc, quand tu entends une voix qui te parle, dis Seigneur, si c'est toi qui m'appelles, Seigneur, je t'écoute. Mais si c'est un être humain qui m'appelle, je le maudis au nom de Jésus. Tu as compris? En même temps, parler la voix au nom de Jésus. Si tu as la voix de l'esprit de ce sorcier, il ne faut plus jamais m'appeler. Je maudis ta voix au nom de Jésus. Tu as compris? Maintenant, concernant la nourriture en rêve, discerner aussi. Il y a des nourritures, par exemple, dans les rêves, quand tu manges le pain, tu manges les fruits, tu bois de l'eau pure, tu bois du lait, ça c'est de bons songes. Ça, c'est des sons qui viennent du Saint-Esprit. Vous avez la différence? Mais quand tu manges tout en viande de porc, est-ce que tu me suis? Une année, j'ai reçu une maman ici. La femme, elle avait un grand atelier de couture ici. Elle dit, pasteur, tu vois ses yeux, hein? Mais elle a commencé à ne plus voir la pauvre dame. Il dit, j'ai fait un songe, j'ai vu ma grand-mère, donne-moi la tablette. J'ai vu ma grand-mère, elle avait des yeux sur un plateau qu'elle était en train de vendre aux gens. Diane, c'est les yeux de sa petite fille et elle était en train de vendre. Et elle aussi, elle ne savait pas. Mais si tu n'es pas enseigné, tu ne veux pas combattre. Mais si elle connaissait les choses spirituelles, les attaques des êtres humains, elle se levait le même jour-là, elle allait arracher ses yeux de la main de la sorcière. Même si elle a vendu ses yeux, elle pourrait lui arracher dans la main de la personne qui a payé ses yeux. Elle ne serait pas aveugle. Ils ont pris, elle a vendu ça. Les gens ont pris ça, ils ont mangé. C'est fini. Qui me suit? Dis, esprit vient de sauter. Ce matin, tu seras dévoilé. Dis, tu seras dévoilé, mon Jésus. Alléluia. Comment reconnaître que tu es attaqué par les esprits humains? Les morts en catastrophe dans les familles. Les morts en catastrophe. C'est les esprits humains qui font ça. Oh. Chaque semaine, il y a décès. Chaque fin de mois, décès dans la famille, même dans le village. C'est les esprits humains qui font ça. Ramène-leur leur mort au nom de Jésus. On peut continuer. Par exemple, certains malaises, tels que l'anémie, toutes les fins de mois, ton sang finit. Regardez, dans ce temps, les enfants, ils ont beaucoup de problèmes d'anémie. Leur sang, là, ça va où? Soit l'esprit humain vit dans le corps de sa mère, ou dans le corps de l'enfant, est-ce que tu me suis? Mais dans le corps de quelqu'un, dont la nuit, ils prennent ton sang, ils en font le carburant de leur avion, ou bien sur leur boisson, mais toi, ton sang est le sang de Jésus. Hey! Dis mon sang, le sang de Jésus! Ils prennent ton sang, donc toutes les fins de mois, ton sang finit. Tu vas à l'hôpital, on fait les analyses, on ne trouve rien. La plupart des vertiges bizarres, c'est eux qui te créent ça. Mais il y a des moments où tu marches. Tu te sens étouffé quand tu marches. C'est eux qui font ça. C'est l'esprit humain qui font ça. Et si vous comprenez les chrétiens? Qui me suit? On peut continuer? Mon frère, ma soeur, l'esprit humain, c'est eux qui font avorter vos projets. Tu as un projet, il faut avorter ça. Il n'aime pas que tes projets aboutissent. Il est dans le corps de ta femme, dans le corps de ton enfant, dans le corps de ton chien. Il entend tous tes projets. Est-ce que tu me suis? Donc tu as mis par exemple un peu d'argent pour ton projet. Donc ils vont créer un problème. Tu prends l'argent que tu as dépensé. Ça arrive à des gens, non? Tu te lèves, tu combats l'esprit humain dans ta maison. Est-ce qu'un monsieur est seulement sur ma terre? Souvent, il y a des femmes qui sont enceintes et elles font des rêves, quelqu'un vient coucher avec elles. Et souvent, la grossesse tombe. C'est un esprit humain qui fait ça. Et s'il comprend même. Un mystique dans ton quartier, un sorcier dans ton quartier, il te voit, toi, femme, et puis tu lui plais.
La nuit, il sort de son corps. Il sort de son corps. Et puis, il va dans ta chambre. Tu penses que toi, tu penses que tu rêves. Il te paralyse. Il va mettre le sommeil pour sur toi. Il couche bien toi. Toi, tu penses que c'est mari de nuit. Pourtant, c'est un sorcier qui est en train de coucher avec toi. Ou bien un agent du diable qui est en train de coucher avec toi. Même si tu es marié, il vient, il va hypnotiser ton mari. C'est pourquoi prier, chrétien, prier. Dieu demande, prie. Dieu demande, prie. Il enlève ton mari du lit, le fait coucher à terre. Il couche bien toi. Il va semer en toi les fibromes, les kystes, douleur de ventre. Il va tout mettre les boules dans ton ventre. Ben, c'est une semence démoniaque. Est-ce qu'il comprend les chrétiens même? Est-ce qu'on me suit là-bas? C'est une semence maléfique. Il sème tout ça dans ton ventre. Toutes les fins de mois, tu as des douleurs, de règles, très douloureuses. Tu pleures jusqu'à... Dis exprimer. Dis exprimer. D'un sorcier. D'un oncle. D'un parent. D'un marabout. Toi qui es à moi, dans ma bassesse, je te chasse en vie. Michel, Michel, ça te fait du bien? On peut continuer? Peut-être que les assassins sont là, ils vont commencer à se manifester. Ils vont partir au nom de Jésus. C'est eux qui ont des problèmes souvent. Alléluia! Je vais vous dire le témoignage d'un frère. Un frère chrétien qui était ici dans le temps. Le frère, à la fin du mois de mars, non, février, il a fait son retrait ici à 13h à la banque ici à SGPC. Vous suivez? Fin mars, il va à la banque, il ne voit pas son salaire. Donc, il demande au directeur, je ne vois pas mon salaire. Donc, le directeur a interrogé l'ordinateur. Il dit, non, le 29 février, tu as fait un retrait ici à Dalloa à 5h du matin, à 5h30, avec une carte magnétique. Il dit, non, monsieur, voilà ma carte magnétique dans ma main ici. Je suis jusqu'à Soubré. Voilà ma carte magnétique dans ma main ici. Ce n'est pas dans la main de quelqu'un. Quelqu'un fait retrait son compte à 5h30, 29 février. Lui, il a fait le 29 février, 13h, son retrait à la banque ici. Fin mars, son salaire n'y est plus. C'est un être humain qui a fait ça. J'ai allé prendre son salaire pour qu'il ait des problèmes dans ses finances. Un puissant amen chrétien. Un puissant amen. Regardez ici. J'ai reçu sur une maman une fois, une année, en 2008-2009. Elle dit, pasteur, j'ai un problème. J'ai dit, maman, tu as quoi? Elle dit, vous savez, sur le lit, maman à son côté, elle a son tiroir. Papa aussi à son côté, elle a son tiroir. Donc, elle était couturière, donc elle gagnait l'argent. Donc, elle met l'argent dans son tiroir. Quand, quelques temps après, elle veut prendre, elle voit des écritures dessus, des écritures arabes sur les billets de banque. Ou bien souvent, les billets sont découpés avec une paire de ciseaux. Donc, tout le temps, elle s'en prenait à son mari. Pourquoi tu me fais ça? Elle dit, mais toi, mais tu... comment je peux faire ça? Est-ce que moi, j'ai écrit arabe? Vous allez comprendre ce matin pourquoi. Qui fait ça? Est-ce qu'il comprend même? Hein? Ce matin, vous allez comprendre qui lui faisait ça. On va continuer. Mon frère, ma soeur, sois attentif. L'esprit humain, la plupart des maris de nuit chrétiennes, tu jeûnes, tu pries contre les maris de nuit. Ça ne va pas. Il faut t'attaquer aux esprits humains. Il faut t'attaquer aux esprits humains. Est-ce que tu me suis? Même chrétien aussi, garçon aussi, prier comme ça. Quand tu pries contre les esprits de maris de nuit, ça ne va pas. Lève-toi. Tu dis maintenant, toi, esprit humain d'un homme, d'une femme qui vient coucher à moi toutes les nuits, tu es dévoilé. Est-ce que tu me suis? Tu es dévoilé. Je refuse maintenant que tu couches avec moi. Ma soeur, prends l'épée de Jésus. Tu dis, je prends l'épée de Jésus. Tu as fait quoi? Je coupe ton sexe au nom de Jésus. Il faut des mères. Est-ce que vous savez, il y a des sorcières qui ont deux sexes? Elles ont deux sexes. Sexe de garçon, sexe de femme. Donc la nuit, elle vient coucher à toi pour t'envoûter. Souvent, mais elles sont ton mari de nuit, femme de nuit, garçon, frère, les frères aussi. Quand vous faites des rêves, tout le temps vous couchez avec les femmes, attaquez-vous les êtres humains des sorcières qui viennent coucher avec vous. Attaquez-vous, tu me suis. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu vas comprendre encore qu'il y a des faux prophètes qui habitent dans le corps des chrétiens. Tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on en parle? On peut aussi reconnaître dans ta vie
que tu es attaqué par les êtres humains, quand tu connais trop d'échecs, tout ce que tu entreprends, c'est échec. 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 C'est les œuvres de l'être humain, ça. Ou bien, quand ton célibat ne finit jamais, ça veut dire que il y a un être humain qui t'a marié dans le monde spirituel. Il faut briser le mariage spirituel sur ta vie. Tu renonces à son mariage pour que maintenant tu entres dans les liens sacrés du mariage. Alléluia. Tu me suis? Regardez, les esprits humains sont très têtus. Ce n'est pas des démons. Ils sont difficiles à combattre. Mais au nom de Jésus, souvent si on les chasse, non? Ce matin, tu vas les chasser de ta vie. De la vie de ta soeur. Chacun va prendre la main de son frère, de sa soeur, pour prier pour lui. Au nom de Jésus. On me suit? Maintenant, autre chose. Il y a des fonctionnaires qui ont un problème souvent dans leur salaire. C'est les esprits humains de sorcellerie qui font ça. Est-ce qu'ils comprennent, mais les chrétiens? Les esprits humains qui font ça. Regardez ici. Quand un fonctionnaire est habité par un esprit humain de sorcellerie, ou bien sa femme est habitée par un esprit humain de sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il gagne son salaire, là, il va d'abord dans un maquis. Il oublie sa femme. Ben, l'esprit humain fait ça pour que la femme soit malheureuse. Il ne comprend pas les chrétiens. Il est assis là. Il va d'abord boire toutes les bières. Il dit, envoyez, c'est moi, je paye. Envoyez, c'est moi, je paye. Quelqu'un rentre, il dit, envoyez, c'est moi, je paye. Tant que le salaire n'est pas fini, il est assis là. L'esprit humain le maintient. Maintenant que l'argent est fini, maintenant il peut se lever maintenant pour aller chez sa femme. Vous n'avez pas remarqué, chrétien, jeûne pour ton homme, prie pour lui, jeûne pour son salaire, alléluia, que l'être humain qui est dans sa vie, mais dans ta vie, mais dans la vie de quelqu'un de ta mère, contre lui, qui sort de sa vie au nom de Jésus, faut lui arracher ton salaire au nom de Jésus. Il y a des femmes, elles voient ça, c'est pour aller faire par là. Quand quelqu'un est un être humain, il va de femme en femme. Et s'il comprenait même. Il y a un esprit humain qui m'a dans le corps de quelqu'un. Une fois ici, il a dit quoi? Je l'ai livré à la débauche. Livré à la fille. À ce garçon partout. Amen. Donc priez pour vos hommes, vos maris, vos fiancés, vos frères et sœurs. Amen. Qui son mari a ce genre de problème? À son salaire. C'est tout dans les maquis. Des moments comme ça. Alléluia. Alléluia. Maman, tu peux le sauver. Ou bien souvent, tu as des maladies, tu vas à l'hôpital. On fait toutes sortes d'analyses, on ne trouve rien. Pourtant, tu es malade. C'est l'œuvre des êtres humains. Tant qu'il n'est pas parti, tu ne seras pas guéri. Tu me suis? Ce matin, toute maladie qui est en toi, créée par les êtres humains, ce matin, tu en seras délivré au nom de Jésus. Dis à l'instant même. Esprit humain, dans mon corps, tu me traites de maladies mystères. Dis, prends ta maladie. Sors de moi au nom de Jésus. Est-ce que ça te fait du bien? Ça te fait du bien? Alléluia. Et puis les cas de chômage. Chômage. Il y a des gens, on les renvoie. Il ne sait pas pourquoi on l'a renvoyé. C'est les esprits humains qui font ça. Ils mettent ta haine dans le cœur de ton patron. On te renvoie. Et ce monsieur, c'est les esprits humains qui font ça. Ou bien tu as passé un concours, tu t'en vas, tu as admis, hein, mais ils vont effacer ton nom sur la liste. Tu me suis? C'est eux qui font ça. Ils sont dans nos familles. Souvent même tu mens à la personne. Pourtant, son esprit humain agit contre toi. Alléluia. Ça te fait du bien. Acclame Jésus très très fort. Regardez ici. Il y a des pasteurs qui ont des problèmes dans leur ministère. La plupart, c'est les êtres humains qui créent ça. Ils sont dans le corps des fidèles. Il y a des fidèles qui ont été remplis d'esprit humain. Donc, il vient à l'église, le pasteur.
n'est pas assis dans le monde spirituel, ils vont bloquer le ministère. Ils vont bloquer ça. Souvent, regardez, au moment on est en train de prier, mais la parole passe. Quelqu'un est en train de dormir, il faut le réveiller. Ben, l'esprit humain, il fait endormir la personne. Il le fait endormir maintenant, et puis il sort du corps de la personne. Maintenant, il va commencer maintenant à bloquer vos prières, vos bénédictions. Attaquez ça au nom de Jésus. Qui me suit? Attaquez ça. On peut continuer? Ce matin, tu es un fonctionnaire, tu as un problème dans ton salaire, que Dieu rétablisse totalement ton salaire. Que ton salaire soit rétabli au nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Comment reconnaître quelqu'un attaqué par les êtres humains ou bien il est habité par les êtres humains? Les cas d'alcoolisme. Vous voyez quelqu'un qui boit l'alcool, il n'est jamais rassasié. Même il est sous l'eau, il boit. C'est un être humain qui le pousse à boire comme ça. Est-ce qu'il me suit les chrétiens? Ton mari boit beaucoup, combat l'être humain dans sa vie au nom de Jésus. C'est pas sa faute. Tu me suis? Combat l'esprit humain. Et puis les cas de prendre des cigarettes. Quelqu'un qui fume jusqu'à... Il ne peut pas laisser. Combattre l'esprit humain dans sa vie. Est-ce que je suis un chrétien? Les cas de cigarettes, d'alcool. C'est l'esprit humain qui pense qu'ils font ça. Alléluia. Maintenant, regardez très bien. Il y a des chrétiens qui disent que quand ils prient, Dieu ne les exauce pas. C'est vrai, non? Dieu t'exauce. Mais l'esprit humain qui est en toi, là, quand tu pries, lui, il bloque tes prières. Est-ce que tu me suis? La fois passée, l'esprit humain s'est dans le corps de la sœur. Il a dit quoi? Quand elle vient à l'église, il bouchait ses oreilles pour ne pas qu'elle entende ce que je dis. C'est pas ça? Donc, il bloque tes prières. Sinon, Dieu entend nos prières. On peut continuer, chrétien? Dis, esprit humain. D'un cousin. D'une tante. D'un oncle. D'un féticheur. D'un marabout. Toi qui attaques ma vie. Qui bloque ma vie. Ce matin, sors de moi. Sors de moi. Alléluia. Alléluia. Par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à retenir à l'école. Il y a des gens, le maître parle, le professeur parle, ils n'entendent rien. Même on prêche à l'église, ils n'entendent rien, ils ne retiennent rien. C'est l'esprit humain qui leur vole ce qu'on enseigne. Qui me suit? Attends, les élèves n'ont pas remarqué ça. Ils volent ton intelligence. Amen. Ils volent ta vie. Ils bloquent tout ce que tu fais. Mais ce matin, ils vont partir de ta vie. Alléluia. Je donne le témoin d'un frère, je n'ai pas dit son nom. Quand j'étais à Agban, il venait chez moi à Agban. C'était un grand musicien. Un moment donné, il est parti à Paris. Donc, un soir, dans le témoin, on dit, il venait d'un travail, il est quitté au dehors. Il vient, il trouve sa tante assise devant sa porte. Sa tante qui est ici, à quelque part, en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu me suis? Quand tu n'es pas chrétien, c'est pas bon. Hein? Quand tu n'es pas chrétien, c'est pas bon. Et il dit, ah maman, comment tu fais pour venir ici? Tu es venu ici? Comment tu as fait? Et il prend la dame, il la fait entrer dans sa maison. Et ça là, c'est un chrétien qui connaît les choses spirituelles. Il va commencer à maudire ça. Attends, toi, vieille femme, tu as quoi du voyage? Tu n'as pas bien d'avion. Tu as fait quoi pour aller en France? Réfléchis, frère. Donc, elle est partie en esprit. Elle s'est matérialisée. Aller attaquer le frère. Une semaine, le frère est mort. Elle a disparu après une semaine, il est mort. Ce matin, tu vas comprendre, vous qui aimez les funérailles, les femmes qui aiment les funérailles, ce matin, quand tu vas comprendre comment l'esprit vient dans ta vie, tu as plus trop aimé les funérailles. Quelqu'un est mort, tu es mort. Il ne va plus revenir, mon frère, ma soeur. Bien sûr, ça fait mal s'il n'est pas chrétien. On pleure un peu, on essuie les larmes. Si les chrétiens disent merci Seigneur, parce qu'il est mort en toi. Mais c'est un païen là, c'est là il faut pleurer parce que ça va à l'enfer. Les mamans qui aiment beaucoup les funérailles, elles comprennent les funérailles,
sont des lieux où on prend beaucoup les esprits humains. Qui aime les funérailles ici? Levez les mains là. J'aime les funérailles là, levez les mains là-bas. Là, il y a une là-bas. Et puis amen. Maman, faut plus les mains les funérailles. Alléluia. On va continuer. On va voir maintenant, mon frère, ma soeur, comment les esprits humains, ils font pour affaiblir une église. Comment ils font pour bloquer vos prières. Comment ils font pour bloquer vos mariages, vos finances. Est-ce que tu me suis sur ma tête? Est-ce que tu me suis? Suivez-moi très, 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 très bien. Frères esprits humains, dans les églises, ils sont très dangereux. Regardez ici. Quand une église commence à évoluer, à prospérer, c'est l'esprit humain qui bloque son évolution. Quand un chrétien commence à évoluer sur le plan spirituel, matériel et financier, c'est l'esprit humain qui bloque ses finances. Est-ce que tu m'as donné la main puissante ce matin?